Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Nous sentons le vent s'engouffrer dans nos poumons, notre sang circule et vascularise tout notre corps, l'oxygénant, à l'intérieur, de l'eau, des organes, des sucs, des os, des milliards de bactéries, l'ensemble interconnecté pour nous maintenir en vie. Nous parlons bien ici du corps humain, d'un corps vivant. Et si la Terre était à notre image, c'est-à-dire vivante? C'est la question que s'est posée un scientifique il y a quelques décennies et qui, par ses conclusions, a été la risée de tout le corps scientifique. Pour cela, il nous faut revenir en 1970. James Lovelock, né en 1919 en Angleterre, est un penseur scientifique et environnementaliste indépendant britannique. Spécialiste des sciences de l'atmosphère, il a émis à cette époque une théorie appelée l'hypothèse Gaïa. Si finalement notre planète était vivante et se comportait comme un organisme vivant, comme notre corps qui cherche systématiquement à se réparer naturellement après une coupure, par exemple, pour retrouver l'équilibre et la stabilité, est-ce que la Terre n'est pas traversée par de multiples interactions complexes qui ont toutes pour but ultime la vie, sa préservation et son équilibre? À cette hypothèse émise, Lovelock fut moqué de par son choix de nom trop mystique. Effectivement, Gaïa est la déesse de la Terre dans la mythologie grecque, mère des dieux et des titans. C'est l'une des plus anciennes représentations théistes de l'histoire humaine, et cette personnification de la planète donnée par ce nom met au placard l'hypothèse pendant des décennies. Pourtant, les arguments et les observations de Lovelock sont plutôt pertinents. Alors que les scientifiques observaient les éléments de la planète de manière séparée et par discipline, Lovelock a permis de mieux voir l'interdisciplinarité des sciences qui rend tout facteur coévolutif, ce qui nous permet aujourd'hui de mieux appréhender le réchauffement climatique par exemple. Gaïa est donc systémique et répond ainsi à toutes les propriétés inhérentes à la définition du système. Elle possède trois caractéristiques cybernétiques: l'interaction qui entre dans les phénomènes de coévolution et de symbiose avec une finalité de recherche d'un état stable. Elle dispose également d'une totalité qui se définit par le tout étant plus que la somme de ses parties et se comporte de manière cohérente en boucle fermée. Malgré le personnage atypique que Lovelock représente, il faut savoir qu'il a toujours traîné avec des climato-sceptiques et a toujours travaillé dans de grands groupes pétroliers. Étrange, étant donné sa vision si interconnectée de la vie, il participait de manière ambivalente à l'exploitation de la planète et donc à la mise à mal de sa propre théorie. Ses travaux sont aujourd'hui reconnus dans le monde scientifique pour cette approche systémique de la vie que nous pouvons retrouver dans le corps humain ou à bien d'autres échelles ou espèces. Dorénavant, ce qui est appliqué à l'homme dans la recherche l'est aujourd'hui à l'ensemble du vivant, comme des éléments. Toutes les disciplines s'entrecroisent sur les mêmes thématiques. L'intelligence des plantes, le biomimétisme, la structure des sols, etc. sont des écosystèmes évolutifs soumis aux mêmes interactions régulatrices qu'impose le climat. Neuf systèmes imbriqués en forme de casse-tête, voilà comment est perçue Gaïa aujourd'hui. Ces neuf dynamiques qui équilibrent la vie sur Terre sont soumises à l'activité humaine qui, en les impactant, dérégule tout le système. Aussi, ces recherches permettent de dégager les neuf éléments à prendre en compte et leur interaction entre eux pour prévoir le réchauffement climatique tout en sachant qu'à lui seul, le climat est l'un de ces systèmes qui est la résultante de l'ensemble des interactions et donc très difficile à définir et à prévenir. Les huit autres points permettant l'équilibre sont l'eau douce, les sols, la biosphère, les océans, les aérosols dans l'atmosphère, les flux géochimiques qui sont essentiellement l'azote et le phosphore utilisés en agriculture humaine à forte dose, l'ozone
et les nouvelles entités artificielles créées par l'homme, comme le plastique par exemple, dont nous ne connaissons pas les effets à long terme. Cette manière d'appréhender la Terre comme un système complexe, vivant et régulateur, cherchant l'équilibre, est appelée homéostasie. C'est un phénomène où un facteur clé, tel que la température du corps par exemple, est maintenu à une valeur bénéfique pour le système considéré, ici notre corps, grâce à un processus de régulation. Aussi, pour mieux comprendre notre planète, il suffit de mieux comprendre l'homéostasie de notre propre corps. Chez l'être humain, cette régulation est très complexe. Elle utilise le système nerveux autonome et les glandes endocriniennes, mais également de nombreux autres paramètres comme le rythme cardiaque, la respiration, la miction, qui est l'élimination par les urines, la sudation, la digestion, la température corporelle, la composition du sang, de la lymphe et du liquide céphalo-rachidien. L'ensemble de ces paramètres sont aussi soumis aux facteurs psychologiques. L'homéostasie désigne donc les interactions qui permettent la santé de l'individu et donc du maintien de l'équilibre de sa vie. Si cette théorie s'est répandue dans le milieu scientifique, il est grand temps qu'elle se répande au niveau du grand public. La perception actuelle que nous avons de notre planète comme corne d'abondance ne tient plus devant cette compréhension du vivant. Si vous regardez de plus près, vous constaterez que l'homéostasie est partout autour de nous, dans chaque être vivant, du plus petit au plus grand. En arborant cette vision de notre milieu, nous redéfinissons notre place à l'intérieur de ce système et pouvons ainsi modifier nos comportements pour retrouver l'équilibre nécessaire à la vie. Nous comprenons la beauté, la complexité et la magie. Nous pouvons retrouver cette vision de la nature, des cycles et des interactions dans le savoir ancestral des peuples premiers, eux qui comprennent comment la nature est précieuse et interagit avec eux. Ils savent très bien que sans la vie autour d'eux, rien ne vaut plus la peine. Pierre-Olivier Banworth est un conteur, il se définit lui-même comme un artisan voyageur, un nomade, quelqu'un né pour transmettre. Il nous dit « compter » afin que celui qui écoute puisse entrer dans son propre rêve en se croyant tenu par la main. Grâce à lui, les histoires qui racontent l'univers ressurgissent du passé. Je vais vous en conter une, il s'agit d'une très ancienne histoire datant d'il y a 4000 ans. Elle provient d'un mythe hindou, du Mahabharata, et nous en dit long sur notre interdépendance. Quand cette histoire commence, il n'y a plus rien sur la Terre. Le monde a été détruit. Il n'y a plus de vie, et tout est entièrement recouvert d'eau. La Terre n'est plus qu'un vaste marécage gris et sale, où siffle un vent sans âge, que plus rien ne retient. Dans ce marécage, seul un vieil homme marche encore. Il s'appelle Markandeya. Et il est le premier survivant. Fatigué, épuisé, il ne trouve nulle part un lieu pour se reposer. Un jour pourtant, il voit jaillir de l'eau un arbre, un immense figuier, et sous les feuilles de ce figuier est assis un enfant, très beau, qui le regarde en souriant. L'enfant lui dit « Tu as l'air fatigué, entre dans ma bouche pour te reposer. » L'enfant ouvre grand sa bouche, un vent immense se soulève et emporte l'homme dans les airs jusqu'à ce qu'il tombe dans le corps de l'enfant. Quand il rouvre les yeux, Markandeya voit une rivière et des arbres autour de lui. Il est dans une forêt. Il y a des fleurs et des oiseaux, des papillons, des femmes qui portent de l'eau en chantant de très beaux chants. Il les suit et il découvre des chemins vers les villages et des vallées, des déserts et des montagnes. Il s'approche des océans, où il découvre le parfum de la mer et des vagues. Il marche plus de 100 ans dans ce ventre, plus de 100 ans il marche dans ce corps infini, sans jamais en voir la fin, goûtant aux fruits, au miel, buvant le lait qu'il trouve sur son chemin, écoutant le chant des insectes ou le silence des étoiles. Puis, après 100 années, un vent immense se soulève à nouveau, emporte Markandeya dans les airs, jusqu'à ce qu'il ressorte par la bouche de l'enfant. Ses pieds nus baignent à nouveau dans l'eau grise et sale du grand marécage où siffle un vent sans âge, que plus rien ne retient. « Voilà, » dit l'enfant, « tu as l'air reposé maintenant. » En écoutant cette histoire, nous comprenons mieux l'impact de la nature sur notre bien-être et le besoin de la préserver comme nous préservons notre propre corps. N'oubliez pas, tout est interconnecté
et interdépendants. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais tu vois le Green absolu. Green, plus Green.